Et plop les gens, ici Zikino, et il y a une mise à jour sur Kitchen Confidence. Et vu que j'aime beaucoup le jeu, et que j'ai pas mal pensé la démo, bah on va voir ça ensemble. Donc le mode sandbox n'existe pas encore, il y a toujours les paramètres qui sont. Il y a toujours pas la traduction. On va pas recommencer du début, mais j'ai déjà dû recommencer du début quand j'ai pensé la démo. Il y avait le tuto là, je crois qu'on l'avait vu, enfin, en tout cas ça existait déjà avant le restaurant qui fait par Vague. Et là on va attaquer un nouveau restaurant où en gros Anthony, donc je suppose que c'est lui, a acheté le restaurant qui était au bord de la banqueroute et il essaie de le revitaliser. Tout en essayant de se rendre compte qu'est-ce qui a fait que le resto précédent est mort. Vu que j'aime bien le jeu et tout, je joue en hard et on va commencer. Alors je vais peut-être pas forcément tout vous traduire, mais je vais au moins lire pour moi. Mais si quand même. Merci beaucoup d'être venu. Votre aide veut dire beaucoup pour moi. Je suis Anthony et voici André. Et salut André. On s'appelle Égypte. Je ne sais pas si c'est que j'ai zappé la création de perso, mais c'est notre nom. Voilà. Pas de problème. Je suis toujours heureux d'assister les amis de Végéta. Végéta, c'est notre tuteur qui nous aide pour le tutoriel, le tout premier shop. Le tout premier resto. Mais snacks, j'ai réussi à récupérer cet endroit à un bon prix. Mais on doit découvrir pourquoi les propriétaires précédents avaient tant de mal. Bien sûr, Anthony, mettons-nous au travail. Et voyons si on peut avoir des indices là-dessus. J'étais à avec conversation. Hop là, on gagne de la réputation. Alors la réputation, je pense que ça fait pas grand-chose entre les missions, mais c'est pas grave. On a toujours nos objectifs. Les cuisines ont changé par rapport à la première, par rapport à la dernière fois. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a plus de cuisines différentes. Convivial. Ok, l'objectif c'est juste de trouver ce qui s'est mal passé. Alors on va faire la mise en place. On va préparer 20 de chaque. Donc on a. Le jeu essaie de se présenter comme un vrai restaurant. Donc il y a la mise en place qu'on fait. On arrive, vous voyez le restaurant il ouvre à 13h, là il est 10h donc on arrive. On fait la mise en place, on va prédécouper ce qu'on pense que les clients vont prendre dans la journée. Voilà la liste. On a l'inventaire. Donc ça, c'est tout l'inventaire du restaurant. Donc tout ce qu'il y a dans le frigo, ce qu'il y a dans le stockage au sec et je sais pas trop ce que ça veut dire, hold oven. Mais ce qu'il y a les produits. Je sais pas trop. Et tous les ingrédients ont la quantité et une date d'expiration. Et il y a aussi, par exemple, la crème, elle expire dans 5 jours et 11 heures, mais dans 1 jour et 20 heures, son état passe de parfait à un peu moins bien. À good, à bien quoi. Et puis les œufs, par contre, eux, ils restent bons plus longtemps, etc. etc. Pourquoi commencer directement par faire une journée? J'ai oublié de me mettre en QWERTY. Alors, voilà. On peut sélectionner ici, on voit nos trois chefs. Donc, Égypte, c'est nous, on est déjà niveau 9. Ah oui, on peut changer notre tête et tout. Bon.
Changer notre nom, prénom, ok. Okay. J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. On peut le suivre, donc la caméra s'est centrée sur lui. Vu que c'est nous, on n'a pas à nous payer un propre salaire. On peut se forcer à prendre une pause, ça peut être important pour regagner son énergie. Et là, on voit nos compétences, nos traits. Donc moi, j'en ai plein. Eux en ont aussi, d'accord. Donc ils sont niveau 7 et 8, très bien. Du coup, alors je vais plutôt les... On va faire pour André. Lui, il va prendre tout seul les tâches de logistique, donc de transport. Il va se déplacer plus vite et ça va pas lui utiliser d'énergie. Il va aussi prendre les tâches pour découper, pour préparer et pour nettoyer. C'est exactement ce que j'ai fait pour mon perso. C'est les deux mêmes copier-coller, sauf que mon perso il a plus de niveaux, donc il coupe mieux. Et lui, il va prendre cette tâche-là tout seul. Il va faire en sorte de mettre les jobs. Ah, ça c'est intéressant. It's very interesting, the second level here. Il va mettre en gros ce qu'il faut faire. Par exemple, je pense, quand on met au four, après le four il est bloqué pendant pas mal de temps. Mais les chefs ils ont rien à faire. Et du coup, il faut les faire un peu en avance, c'est mieux. Donc il va le faire tout seul. Et au job, si ce caractère générique sera mis en. Oui d'accord, et quand c'est lui qui est au niveau 3 de cette compétence, quand c'est lui qui lit la mise en place, les tâches vont être exécutées plus rapidement. Bah, c'est très bien, j'étais pas au courant encore, j'avais pas tout vu. Et donc lui, il va aussi faire la découpe tout seul, la logistique et le nettoyage, mais au lieu de faire la préparation tout seul, il va s'occuper plutôt de ce qui est bouillir. Là, les salaires sont à zéro. Donc là, si je fais rien, lui, il le fait automatiquement, il sélectionne en mettant en priorité les trucs de base. Donc là, on va dire que notre perso, il va plutôt faire ça tout seul. D'accord, ça follow, mais je pensais que ça allait follow mon perso. Bah oui, la cuisine pas bien organisée, là. Faut aller chercher jusque là-bas. Oh, toutes les poubelles. Faut aller chercher jusque là-bas. C'est loin. Mais du coup, faut mieux bien s'organiser. Là, mon perso, il a lancé les pâtes. Égypte, follow. Il a lancé les pâtes. Et bah, les pâtes, elles sont en train de cuire toutes seules, enfin de se préparer toutes seules. Et du coup, pendant ce temps, il peut faire autre chose. Donc là, il coupe le fromage. Et on va lui dire de sortir les pâtes. Arrêter de les faire. Pas qu'elles soient trop. Trop faites, quoi, pour. Là, je lui dis de lancer la viande. Pareil, la viande, ça se lance tout seul. Et évidemment, on peut accélérer. Moi, j'aime bien garder les vitesses normales. Alors, on peut... Voilà, peut-être comme ça ou comme ça. Baisser les hauteurs des murs, pour mieux voir. Par défaut, comme ça, c'est pas mal, mais... Mais on voit pas quand c'est un peu loin. Là, ce qu'on peut faire, c'est leur demander de tout nettoyer. Là, ils vont le faire tous les trois. Là. Ils vont nettoyer. Parce que quand... Là, on voit que c'était propre à 45%. Mais quand c'est à 100% sale, donc 0% propre, ils ne peuvent plus travailler dessus. Du coup, s'ils n'ont plus d'espace de travail, ça peut être gênant. Ben là ils ont pas mal de temps, alors on va relancer des tâches pour la journée.
Voilà. Oula. J'ai vu toi pas bouger là. Tu fasses ça plutôt, vu que c'est une tâche qui met du temps. Là, je les laisse faire, mais il faudrait pas que je les laisse stocker automatiquement. Parce que stocker automatiquement, ça veut dire qu'ils font plein de trajets. Et c'est long. Vaut mieux qu'ils fassent leur tâche et puis qu'une fois, ils prennent tout ce qu'il y a à ramener et qu'ils aillent tout stocker d'un coup. Là, il est 12h30, le resto ouvre à 13h, donc on n'est pas trop mal. On va tout nettoyer en attendant que les clients arrivent. Donc là, on a leur barre d'énergie. En dessous, c'est plus ou moins le stress qu'ils accumulent et autour, c'est leur expérience. Je vais essayer de faire juste comme ça. Alors ce que je viens de montrer, c'est qu'on peut rassembler les tâches en une seule. Hop là. Et ce qui fait qu'ils feront la tâche plus vite. Donc c'est intéressant de le faire. Après, si on leur dit de faire 150 salades, et ben ils vont faire les 150 salades et ça va être voilà, plus 25% de productivité, plus 25% de productivité. J'ai pas vu. Si on leur dit de... Ils vont le faire, mais ça va être plus... comment dire? Je perds mes mots, au secours. Ils vont être plus lents à faire cette tâche-là. Là. Il est presque deux fois plus lent à faire la tâche que s'il avait les deux tâches, mais il est plus rapide au total parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer autant et de changer de poste. Et voilà, il peut faire des plus grandes quantités d'un coup. Oui, les plats périment assez vite, donc il faut bien les faire. D'ailleurs là pour... Ah si, parce que là il y en a deux, ok. Et on a déjà une table qui est partie. Là, je savais pas, mais on peut dire qu'on ramène les commandes d'un coup. Bah oui, il fait demi-tour. Alors... Et donc le jeu, ça va être de... De jongler entre toutes les tâches à faire, pour que nos chefs aillent le plus vite possible, contentent tous les clients. Voilà. Un trajet avec trois tables d'un coup, c'est mieux. Ça fait moins de trajets. Là, bah toi tu fais rien, tu vas mettre les assiettes sales au lave-vaisselle parce que sinon on va plus avoir d'assiettes et ça va être gênant très vite. Là on est ouvert de 13h à 17h, très bien. Oh là là. Donc là, j'aurais donné un discount parce que
j'allais pas avoir le temps de faire leur requête. Et ce qui nous donne un malus de stress. Donc là, le stress va monter petit à petit. Pendant 20 minutes, on va en gagner 200. Quelque chose comme ça. Et si le stress augmente, les carrés là vont augmenter chez les différents chefs. Et c'est pas bien. Et donc lui, il se repose, il regagne à la fois de... Il fait diminuer le stress de l'équipe et il fait diminuer... il augmente sa barre d'énergie. Mais bon, ce serait bien qu'il travaille aussi. Là, je pense qu'on... Alors, c'est compliqué. Ah, j'avais jamais fait gaffe là au glow rouge parce qu'on a trop de stress. Non mais il faut que quelqu'un travaille quand même. On a un supermarché, si jamais on n'a plus assez d'ingrédients, on peut demander des œufs en plus. On peut dire bah il va falloir que je fasse des salades, donc ça commande directement tous les ingrédients qu'il faut pour la salade. On a la possibilité, alors pas ici, mais on a la possibilité de créer nos propres recettes. On a la possibilité, donc la mise en place, acheter, quand on crée nos recettes, enfin, normalement on va le voir, j'espère qu'on va le voir juste après. J'espère qu'on va le voir juste après. Mais quand on crée nos recettes, on peut aussi, là on achète au supermarché, c'est plus cher que d'acheter au... J'allais dire à l'entrepôt, enfin au stock global. Mais on peut acheter au stock global que entre les journées. Donc c'est. Ah, là, on peut faire. Ah non, il l'avait pas encore pris. Il l'avait pas encore pris. Et je fais tout. Le raccourci il a changé. Le raccourci change quand les gens s'en vont. Non. Ah, je suis fatigué. Je vais devenir un marathonien professionnel au lieu de tenir un restaurant à ce rythme. Ouais, je pense qu'on a identifié quel était le problème. Ouais, l'agencement a besoin d'être mieux. Demain, je vais à la banque pour prendre un prêt. Et donc là, on a à peu près tout ce que j'étais en train de vous dire. On peut voir les statistiques au moment Work in Progress. C'est normal, le jeu est même pas en Early Access. Toujours en démo. On voit ce qu'on a vendu de la journée. La semaine ou au total, on voit les petites aides de feedback des clients, les infos, on met une heure pour servir les gens, c'est peut-être beaucoup. là ce que je disais, on peut modifier le menu, donc on peut dire bah voilà je rajoute, non je peux pas. On peut rajouter, normalement, là, on peut par exemple enlever la soupe à la tomate, on peut la rajouter.
Sachant que sur ce restaurant, il y a beaucoup de jeunes adultes et un peu de famille. Donc on peut. L'idéal c'est de faire des plats que eux aiment. On peut. Je sais pas quoi ça sert de recommander quelque chose. On gagne plus de sous, je ne sais pas trop. Et on peut faire nos propres pas. Et alors, attendez. Par exemple, je sais pas moi. Là, j'ai pas d'idée. Je veux dire qu'on va mettre du beurre, de la farine et du sucre. Et pas du sucre. Ah, je voulais faire un coup Niaman. et après on confirme, on donne, on trouve une photo, on entre le nom et on peut rajouter des ingrédients et c'est comme ça que les frites et la poutine, qui au final c'est un peu la même chose quoi. C'est là, il n'y a que des patates coupées, là il y a des patates coupées, du fromage fondu et de la viande hachée. Ça n'a pas exactement les mêmes stats et on va pouvoir créer nos propres recettes comme ça. On a donc là, je pense qu'avec ce tuto-là, enfin cette mission-là, on va pouvoir débloquer la modification du restaurant. On va pouvoir acheter des ingrédients. Là, par exemple, on voit qu'on a assez pour juste 10 pâtes à la tomate, pâte au ketchup et la soupe à la tomate. Donc on peut en recommander. Normalement, il est moins cher que passer par le supermarché. On a tout ça. On peut regérer le menu depuis ici. Sachant qu'il faut mieux en acheter, mais pas trop, parce que les ingrédients périment. Donc il faut toujours avoir suffisamment pour la journée, et atteindre la soirée, mais pas pour 3 jours en avance, quoi. Et là, on peut déjà préparer, je veux que vous me fassiez au moins tout ça de préparation. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus assez de... De pâte à la tomate. Donc on va faire ça. Hop là. La banque a refusé mon emprunt. disant que j'avais pas assez de quoi leur montrer que j'avais des choses de valeur. On a besoin de quelque chose de rapide pour corriger ça. J'ai trouvé des tiroirs à l'arrière, peut-être qu'on devrait les utiliser. On a besoin de 500$. Quoi ? Flip the drawer ? Comment je fais ça, moi? Ah. Auto-refil.
tu vas prendre ça. Et toi, tu vas prendre ça. Ok. On a qu'à remettre, remplir les tiroirs quand ils sont vides, c'est la procédure habituelle. Si on trouve que le frigo principal manque de n'importe quoi, on devrait mettre automatiquement ces objets dans la mise en place. Donc là, il y a les tâches de remplir ces tiroirs, justement. Donc ils sont en train de le faire. Donc en général, je vérifie que les tiroirs soient remplis avant le service. Pas juste quand je me rends compte qu'ils sont vides. Je peux voir que vous êtes sur la même page que moi. Et ouais. Ce serait bien de s'occuper de ça un moment. Avant de couper les tomates. Parce que ça bip. Oh, c'est rempli. Hop là, ça bouge beaucoup. Et on voit que c'est pas les mêmes. It's nice. Oups. Donc là, on voit qu'il y a des plats qui ne serviront pas. Donc il faut qu'on sélectionne sur tout ça et qu'on vire les ingrédients périmés. Alors, il n'est que 10h. Arrête-toi. Mais la machine, la washing machine. Là on a quoi? On a quand même une bonne quantité de tout. Donc là, pour moi, il peut attendre. Alors c'est aussi parce qu'on avait trop fait la veille, mais c'est tout rempli. Ouais, des herbes quoi ça va. Il manque une herbe. Ah, il y avait le bouton refill. Ok. Juste avant le service, il y avait le bouton refill, j'avais pas vu. Donc là, les clients sont censés venir. Censés. Voilà. Là, ils font leur choix. Occupez-vous de... Donc, ils viennent prendre les assiettes et après ils... Je pars.
envie de dire pourquoi pas. Allez. Voilà. On va pouvoir en faire les deux tables en simultané. De quoi j'ai pas vu? J'ai pas vu, ça va trop vite. Ça va trop vite. Pas le temps, hein. Alors tac tac et André travaille aussi. Obligé de refill pour la soupe de toute façon. Le temps, on va essayer de. Remplir avant. Une sorte de file d'attente qu'on peut faire aussi en... avec Mage, on peut dire avec les raccourcis et avec Mage on peut indiquer à qui va où après, mais je suis pas un grand fan de la visualisation actuellement, j'en ai déjà parlé, j'ai envie de dire ils ont pris en compte. On n'a plus que 12 assiettes propres, donc tu vas lancer un lave-vaisselle. Non. Bon, on a tous les outils essentiels pour faire en sorte que cet endroit devienne le prochain lieu chaud. Absolument, on sécurise les la sécurité financière et on ramène de nouvelles personnes. Ouh. Faire 2000 de profit, ça c'est pas rien. Toi tu vas plutôt faire ça. Star, on s'en fiche.
Pas pour le moment en tout cas. Quand tu peux faire ça à la place. Ils m'ont demandé, mais vu que j'avais déjà échoué juste avant. Ça peut être passé, mais un risque. 17h, on est plutôt vers la fin. J'aurais pas dû. Tac tac. Devrait s'en sortir normalement là pour les deux plats. Peut-être qu'il y en aura un troisième qui va arriver. Il les appelle juste à la dernière seconde. Donc toi, t'as besoin de te reposer, effectivement. Donc c'est là, si on est dans le feu et qu'on voit qu'il y en a un qui a plus beaucoup d'énergie, on peut le forcer à prendre une pause. Ou alors, si on se rend compte qu'on a beaucoup de stress, on peut potentiellement... forcer à prendre des pauses pour diminuer le stress global, mais au prix d'un chef qui ne travaille pas. Il in all. La vaisselle. La vaisselle, c'est celle-là en fait. Hop. On va faire ça et... la journée. C'est bon, on a assez d'argent pour sécuriser un emprunt de 10 000 dollars à la banque. Et on démarre les rénovations à la fin de la journée. Donc on peut modifier et acheter ça, il n'y avait pas du tout dans la démo précédente. Furniture mode. Oh.
Ah oui, on peut déplacer vraiment les gens pour espérer gagner de la place et des clients. Après, si on gagne, si on a plus de clients, ça veut dire que c'est aussi la galère. Cool. On veut, c'est surtout bouger ça ici. Voilà, quelque chose comme ça. Une poubelle dans le coin là, pas gêné. Et on peut rajouter maintenant des choses. Plein de choses. Ah, service station, c'est ça. L'image, pareil, hein. Ce n'est pas grave. Le PC pour la mise en place. Ah oui, il est sofa dans la salle de... Je n'avais pas fait gaffe. Là, par exemple, on pourrait essayer de rajouter... Oh. Non. On peut... Non, pas au-dessus. Rajouter des fours. On peut rajouter des choses. Ah, c'était surtout le... Et surtout le bac à huile pour les frites qui m'intéressait, mais apparemment le jeu aime pas trop. Oui, non.
On pourrait inverser aussi et dire que là c'est la salle de stockage et ici la salle de pause. Je pense que c'est pas mal comme ça. Comment on valide et on sort là? Ah, sommaire. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait gaffe. On a les sous. On pourrait casser les murs et tout ranger, mais en fait, juste ça pour moi. C'est déjà bien. Du coup, on peut modifier notre menu. Ça, c'est quoi? Donc, il faut quelque chose qui plaise un peu aux familles et surtout aux jeunes adultes. Donc ça, c'est pas mal. Avec du fromage. Non, pas du fromage, c'est pas aux familles. C'est la crème. On utilise beaucoup de tomates. Alors si on rajoute des tomates, c'est aux jeunes adultes. Viande hachée, ça plaît vraiment pas aux familles. C'est peut-être mieux encore. mais je sais. On va partir là-dessus. Je sais même pas ce que c'est censé être. Midstock. Un bœuf bourguignon. Quand je fais supre, ça met des points. Save. On va pouvoir mettre ça. Des ingrédients. Ça, on n'en a pas. Les préparations. Voilà. Et ça va être parti. On va faire ce dernier jour au moins.
à 43. On peut mettre les assiettes déjà prêtes. Qu'elles pourrissent pas en une nuit. Y a des mouches. Y a des mouches. Allez, midi. Alors, hop. Mmh.
7 est plus urgente, beaucoup plus urgente. Si le mur. Ok. De quoi? Ah. Pas sûr. Nettoyage. Donc on n'a pas beaucoup de clients. J'aimerais bien vous montrer un niveau, un level up aussi. Il attendait. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'on lui fait travailler deux fois plus, enfin 25% plus rapidement quand il y a cette tâche là, ou est-ce que on lui fait prendre automatiquement ce job là? Pour le perso principal, j'essaie d'aller à fond sur les tâches. C'est bien, mais c'est ce que j'essaie de faire. Donc ça c'était la fenêtre de level up qui est elle aussi nouvelle dans cette démo, cette version. On va les laisser tout nettoyer et rentrer à la maison après.
On a eu 500 et la mission c'est d'avoir 2000, 20 000, je sais plus. En tout cas beaucoup plus que ça. En vrai l'environnement ça fonctionne bien. J'aurais dû vérifier mais pis. On devrait pas en avoir besoin d'autant. On va préparer quoi comme mise en place? On va préparer ça. Et on va... Et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. On a fait 274 de profit sur 2000, donc il faut encore 10 jours. Ça va faire beaucoup pour une seule vidéo. Donc on va arrêter là. Moi je vais continuer un petit peu en live, je pense. En tous les cas en solo. J'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt. Bye bye.